Tout d'abord, je tiens à remercier Harry pour son aimable invitation. Comme vous le savez, Cuba et les États-Unis entretiennent des relations conflictuelles depuis au moins 1959. Et l'idée, c'est de revenir un peu sur la genèse de ces relations. Il faut savoir que Cuba est l'un des premiers problèmes de politique étrangère pour les États-Unis. Au début du 19e siècle, Thomas Jefferson, en 1805, avait insisté sur l'importance stratégique de Cuba et sur la nécessité d'intégrer cette île à l'Union américaine. En 1823, John Quincy Adams, qui était alors secrétaire d'État des États-Unis, qui deviendrait président par la suite, et qui était un visionnaire, un stratège, a élaboré ce que l'on a appelé la théorie du fruit mûr. Et il expliquait qu'il existait les lois de gravitation physique que l'on connaît, mais qu'il existait également les lois de gravitation politique. Et qu'au fil du temps, Cuba, en raison de son lien non naturel avec l'Espagne, à l'époque Cuba était une colonie espagnole, la dernière colonie espagnole avec Porto Rico, sur le continent américain, eh bien au fil du temps, avec le développement du commerce avec l'île de Cuba, ce fruit arriverait à maturité et tomberait dans l'escarcelle des États-Unis et serait intégré au territoire des États-Unis, à l'Union américaine. Durant le 19e siècle, les États-Unis ont essayé d'acquérir Cuba à l'Espagne à pas moins de 6 reprises. La dernière offre était de 100 millions de dollars. L'Espagne a toujours refusé et a voulu conserver Cuba. À partir du milieu du 19e siècle, la volonté cubaine d'émancipation, de suivre le cours de l'histoire, d'obtenir son indépendance, a émergé. Et on a eu, en 1868, la première guerre d'indépendance entre Cuba et l'Espagne. La fameuse guerre de 10 ans. Quelle a été l'attitude des États-Unis lors de ce conflit de 10 ans qui a été un échec en raison des divisions au sein des forces indépendantistes? Les États-Unis pouvaient soit adopter une position de neutralité, soit soutenir la volonté cubaine de l'indépendance, soit soutenir l'Espagne. Les États-Unis ont soutenu du début jusqu'à la fin, l'Espagne. Il y avait une opposition farouche à l'indépendance de Cuba, comme il y a eu une opposition à l'indépendance d'Haïti. Les États-Unis, au-delà de leur volonté d'intégrer Cuba à la sphère territoriale états-unienne, avaient peur de voir émerger une nouvelle république métisse composée à majorité de Noirs et qui deviendrait un second Haïti, à une époque où il régnait la ségrégation raciale aux États-Unis. Suite à l'échec de la première guerre d'indépendance, en 1895, sous l'égide de José Martí, l'apôtre cubain tel qu'il est connu dans l'île, le théoricien de l'édifice patriotique, a lancé la deuxième guerre d'indépendance, qui a duré 3 ans, et les Cubains, les révolutionnaires cubains, ont réussi à vaincre sur le champ de bataille les soldats espagnols. En 1898, au moment où les Cubains s'apprêtaient à remporter la victoire, les États-Unis sont intervenus militairement dans l'île pour empêcher les Cubains d'accéder à l'indépendance. Il n'y a plus de débats historiques à ce sujet, puisque les archives pour cette période sont déclassifiées, et l'on voit clairement qu'il y avait cette volonté de la part de la direction états-unienne d'empêcher Cuba d'accéder à l'indépendance et d'intégrer l'île à l'Union. Le fruit était, selon eux, devenu mûr. En 1898, les États-Unis interviennent dans l'île, occupent militairement l'île, brise le rêve des Cubains à l'indépendance et établissent une espèce de protectorat
qui sera matérialisé par le fameux amendement Platt, qui serait en vigueur jusqu'en 1934. Que stipulait l'amendement Platt ? C'est un court texte de quelques pages. Il réduisait en miettes toute aspiration, toute notion, toute idée d'indépendance pour Cuba. Par exemple, les États-Unis s'octroyaient le droit d'intervenir à Cuba, dans les affaires internes de Cuba, à partir du moment où ils estimaient que leurs intérêts fondamentaux étaient en danger, sans l'avis des Cubains. De la même manière, Cuba, théoriquement indépendant depuis 1902, ne pouvait signer aucun accord, aucun contrat, aucun traité avec une puissance étrangère, avec une autre nation, que ce soit un traité économique, culturel, scientifique, quel qu'il soit, sans l'aval des États-Unis. Et le troisième aspect, sans doute le plus connu, les États-Unis obligeaient les Cubains à leur louer pour une durée de 99 ans une partie du territoire national. La base de Guantanamo, qui est en vigueur, qui est encore une réalité à ce jour. Alors c'est un contrat très intéressant, d'une durée de 99 ans, renouvelable indéfiniment à partir du moment où l'une des deux parties est d'accord pour le renouveler, pour la somme de 4 000 $ par an. C'est-à-dire qu'un studio d'étudiants à Saint-Denis coûte plus cher que la base navale de Guantanamo de 110 km². Bien entendu, il y a eu, lorsque les États-Unis ont présenté ce fameux amendement à l'Assemblée constituante, un débat et la première réaction des constituants cubains était de rejeter cet amendement Platt qui réduisait en miettes toute notion, toute aspiration à l'indépendance. Mais Cuba se trouvait sous occupation militaire des États-Unis. Et la menace que faisaient peser les États-Unis sur l'île, c'était soit l'amendement Platt, soit une occupation indéfinie du territoire. Il y a eu un débat vif et, à 16 voix contre 10, les Cubains ont préféré la République imparfaite, enfin préféré, sous la contrainte, sous la menace, hein, sous une occupation militaire, à pas de République du tout. C'est pour ça que l'on appelle cette période au moins celle qui va jusqu'à 1934, date de l'abrogation de l'amendement Platt, on en dira un mot, la République néocoloniale, la République médiatisée, parce que c'était une République avec des dirigeants faibles, avec des dirigeants soumis aux États-Unis. D'ailleurs, le premier président de la Cuba dite indépendante, Tomás Estrada Palma, avait la nationalité états-unienne et avait vécu pendant 30 ans aux États-Unis. C'était un annexionniste convaincu, il l'a dit clairement, il ne concevait pas le futur de l'île sans un lien étroit avec les États-Unis. Le problème, c'est qu'il se trouvait en décalage avec l'aspiration des Cubains à une véritable indépendance. Les États-Unis sont donc intervenus, durant le début du XXe siècle, à plusieurs reprises, en 1903, militairement, hein, en 1906, en 1909, en 1912, en 1917, Cuba était une néocolonie états-unienne. Et permettez-moi de citer une anecdote qui est illustrative de ce qu'était l'état des relations entre les deux pays. En 1920, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, décide d'envoyer un représentant spécial à Cuba, Enoch Crowder, sans en informer le président de l'époque, Manuel García Menocal. Lorsqu'il apprend l'imminence de cette visite, le président Menocal envoie un courrier, une missive au président Wilson pour s'en émouvoir et pour exprimer son étonnement. Quelle a été la réponse du président des États-Unis, donc du président d'une nation souveraine, à un président d'une nation censée être souveraine? Je la cite de mémoire. Le président des États-Unis
n'a pas besoin de l'autorisation du président de Cuba pour envoyer un représentant spécial dans l'île. Fin de citation. Telle était la nature des relations entre les deux pays. Tel était l'état d'humiliation constante dans lequel vivait le peuple cubain. Parce qu'en offensant le président de la nation, bien entendu, on offensait l'intégralité de la population cubaine. Et il faut avoir en mémoire cette réalité et cette réponse pour comprendre 1959. En 1934, les États-Unis, suite à la révolution de 1933 et la trahison du sergent devenu général Fulgencio Batista, qui, alors qu'il s'était engagé auprès de la population à défendre la volonté à la fois d'une plus grande souveraineté des Cubains et d'une plus grande justice sociale. Batista a trahi la révolution de 1933, a organisé un coup d'État et a dirigé le pays derrière les rideaux, si l'on pouvait dire, jusqu'en 1940. Les États-Unis ont décidé que l'amendement Platt était devenu un instrument obsolète, un instrument coûteux politiquement parce qu'il suscitait le rejet des Cubains et le rejet de l'opinion publique latino-américaine, et qu'une manière de défendre les intérêts, ça serait désormais de soutenir un homme fort à Cuba. Et cet homme fort était symbolisé par la figure de Fulgencio Batista. Bien entendu, l'abrogation de l'amendement Platt n'a pas symbolisé la fin de la domination des États-Unis à Cuba. Il y a eu, à partir de 1940, Batista a été élu, entre guillemets, de façon démocratique pendant 4 ans. S'en est suivi une période de 8 ans de régime que l'on pourrait qualifier de démocratique. Et jusqu'en 1952, date où Batista décide de revenir au pouvoir par le biais d'un coup d'État, et il instaure une dictature qui durerait jusqu'en 1958, jusqu'au 1er janvier 1959. Là émerge le mouvement révolutionnaire dirigé par Fidel Castro. La priorité de Fidel Castro, en 1959, c'est d'obtenir la véritable indépendance de l'île. D'ailleurs, la principale conquête aujourd'hui de la révolution cubaine, c'est la souveraineté totale de l'île, c'est l'indépendance du pays. Les États-Unis se sont opposés au mouvement 26 juillet de Fidel Castro bien avant son arrivée au pouvoir. Une semaine avant son arrivée au pouvoir, alors que Batista était défait sur le terrain militaire, Alan Dulles, directeur de la CIA, lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, déclare « Nous devons empêcher la victoire de Castro ». 23 décembre 1958, le 1er janvier 1959, avènement de la révolution cubaine et inauguration de l'ère de véritable indépendance pour Cuba. Il est intéressant de noter que la rhétorique diplomatique utilisée par les États-Unis pour justifier son opposition, son hostilité vis-à-vis de Cuba, a fluctué au fil des ans. En 1959, en 1960, en juillet 1960, lorsque le président Eisenhower décide d'imposer les premières sanctions économiques, en annulant la quote-part sucrière, c'est-à-dire que Cuba vendait, qui produisait 6 millions de tonnes de sucre à l'époque, en vendait 3 millions aux États-Unis. Donc du jour au lendemain, il décide de supprimer la quote-part sucrière. L'argument évoqué a été le processus d'expropriation et de nationalisation des entreprises, pas uniquement états-uniennes, mais toutes les entreprises. Lorsqu'en mai 1959, les Cubains décident d'adopter la seule mesure d'envergure qui a été adoptée de façon volontaire par la révolution cubaine, c'est-à-dire la réforme agraire, toutes les autres mesures
n'ont été que des réponses à la politique agressive des États-Unis. Bien entendu, cela a affecté les propriétés des États-Unis qui possédaient les meilleures terres. Les Cubains n'ont pas confisqué les propriétés. Les Cubains ont nationalisé les propriétés, ce qui est un droit reconnu par la législation internationale. Et les Cubains ont décidé d'indemniser les propriétaires lésés, les multinationales lésées, en se basant sur quoi ? Sur les déclarations fiscales, bien entendu. Or, ces déclarations fiscales étaient notoirement sous-évaluées pour frauder le fisc cubain. C'est-à-dire ce que disait M. Kléber, qui était représentant des propriétaires états-uniens cubains, les déclarations fiscales ne dépassaient pas les 20% de la valeur réelle des terres. Eh bien, tant pis pour eux. Les Cubains, bien entendu, en appliquant leur droit souverain à disposer de leurs ressources naturelles, ont décidé de nationaliser ces terres et ont même proposé des conditions économiques plus intéressantes que celles que les États-Unis ont proposées au Japon lorsqu'ils ont procédé, après la Seconde Guerre mondiale, à une réforme agraire. Donc, en réalité, ce n'est pas tant la réforme agraire à Cuba qui inquiétait les États-Unis. Même si les pertes étaient relativement substantielles, les investissements s'élevaient à peu près à 800 millions de dollars. Pour une économie comme celle des États-Unis, ce n'était pas une grande perte. Si les États-Unis touchaient 200 millions au lieu des 800 millions, puisque les déclarations faites au fisc n'étaient qu'à hauteur de 20%, ce n'était pas ça qui allait porter un coup à l'économie des États-Unis. La réalité était autre, c'est que les États-Unis étaient inquiets que l'exemple de la réforme agraire à Cuba puisse être suivi en Amérique latine et à travers le monde. C'était le danger représenté par ce précédent. Si un petit pays comme Cuba, situé à 150 km des côtes de Floride, dernière colonie espagnole à obtenir son indépendance, qui a vécu pendant 60 ans sous la domination des États-Unis, arrive, 6 mois après sa révolution, à effectuer une réforme agraire aussi radicale, la plus radicale dans l'histoire de l'Amérique latine, plus radicale que celle du Mexique, eh bien, il y avait un grand danger que cet exemple soit suivi par les autres pays d'Amérique latine et du tiers-monde et remette en cause l'hégémonie des États-Unis et ses intérêts qui étaient autrement plus importants dans d'autres nations. Les États-Unis, ensuite, lorsque Kennedy impose les sanctions économiques totales en 1962, en février 62, il évoque l'alliance avec l'Union soviétique. Aujourd'hui, puisque les archives sont déclassifiées, nous savons que les États-Unis ont tout fait pour que Cuba se rapproche de l'Union soviétique pour pouvoir ainsi justifier sa politique hostile. Lorsque, en 1959, Cuba, qui était victime d'incursions aériennes de la part des États-Unis, dès juin 1959, les attaques terroristes ont commencé contre Cuba. Des avions pilotés par des exilés pénétrés régulièrement dans l'espace aérien, lâchaient des bombes, etc. De la même manière, à côté, il y avait le régime militaire de Trujillo, République dominicaine, qui menaçait le pays. Donc, les Cubains décident d'acquérir des armes. Les États-Unis refusent d'honorer un contrat qu'ils avaient signé sous Batista. Les Cubains se tournent alors vers le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni décide de signer ce contrat, d'accepter la demande d'armement, de vente d'armes à Cuba. Les États-Unis interviennent, font pression sur le Royaume-Uni et Londres fait marche arrière, refuse de vendre des armes à Cuba, en insistant qu'il fallait également qu'aucun autre... Les États-Unis insistaient sur le fait qu'il fallait que les autres pays de l'Europe occidentale refusent également de vendre
désarme à Cuba, afin que Cuba se tourne, je cite, vers l'Est. Donc, l'alliance avec l'Union soviétique était d'abord et avant tout une alliance pragmatique, justifiée par l'hostilité des États-Unis. Et ça arrangeait les États-Unis parce qu'ils avaient là, ils trouvaient là un argument pour justifier leur hostilité vis-à-vis de Cuba. Il était plus difficile de justifier une politique de sanctions en raison des nationalisations, parce que nationaliser, c'est un droit souverain. C'est un droit souverain. Dans les années 60-70, nouvelle évolution de la rhétorique pour justifier l'hostilité vis-à-vis de l'île. Il ne s'agit plus des nationalisations, il ne s'agit plus de l'alliance avec l'Union soviétique, mais de l'aide apportée par Cuba au mouvement révolutionnaire et indépendantiste à travers le monde, et notamment en Afrique, en Angola, qui en 75 a accédé à l'indépendance et qui a été envahie par les troupes suprémacistes de l'Afrique du Sud. Les Cubains ont apporté une contribution décisive à l'indépendance des pays de l'Afrique australe. Ensuite, à partir des années 90, en 1989, chute du mur de Berlin, 1991, disparition de l'Union soviétique, si la rhétorique diplomatique des États-Unis avait eu un quelconque fondement, à partir de 91, les États-Unis auraient normalisé les relations avec l'île. Qu'ont-ils fait ? Exactement l'inverse, alors que Cuba était frappé par la pire crise économique de son histoire, parce que du jour au lendemain, Cuba a perdu 85% de son commerce extérieur. Cuba a vu son PIB chuter de 29 points. On parle de récession quand on a le taux de croissance d'une année sur l'autre est de moins de 1%. Donc, et quand on parle de récession, ça veut dire supprimons les services publics, etc. Cuba a perdu 27 points. À titre d'exemple, durant la période de Covid, la France a vu son PIB chuter, je crois, de 11 points. Cuba, du jour au lendemain, a perdu 30% de son PIB. Cuba a perdu son principal partenaire commercial. Que font les États-Unis à ce moment-là ? Ils adoptent une nouvelle législation augmentant les sanctions économiques. La fameuse loi Torricelli qui stipule, entre autres, que tout bateau qui entrerait à Cuba se verrait interdire l'entrée dans un port américain durant les 6 mois suivants. Au moment où Cuba cherchait à développer son commerce international, on adopte une telle législation qui a eu un impact dramatique pour la recherche d'autres partenaires commerciaux. Imaginez les conséquences. Cuba, c'est un petit pays, c'est une petite économie. Les États-Unis constituent le premier marché mondial. Imaginez Cuba qui sollicite une entreprise française de transport pour transporter de la marchandise de Bordeaux jusqu'à La Havane. Cette entreprise, qui a l'habitude de travailler dans la zone Caraïbe, sans doute que 70% de son commerce se fait avec les États-Unis, avec la Floride, et que 10% devait se faire avec Cuba. Eh bien, à partir de la loi Torricelli de 1992, si le prix était de 100 pour les Cubains, il passe à 200, 300, 400 dans le meilleur des cas. Qu'expliquent les transporteurs ? Nous n'avons pas de problème à transporter de la marchandise. Le problème, c'est que si nous transportons de la marchandise, nos bateaux sont bloqués pendant 6 mois et nous perdons de l'argent. Donc nous pouvons le faire, mais à un autre prix. Certains refusent carrément de le faire, vu les difficultés. Quel argument évoquent les États-Unis puisqu'il n'y a plus l'ennemi soviétique ? On évoque l'argument de la démocratie et des droits de l'homme pour justifier l'hostilité vis-à-vis de Cuba. Comme si imposer des souffrances à la population civile était la meilleure manière de défendre la démocratie et les droits de l'homme. On pourra en dire un mot tout à l'heure. En 1996, sous une administration cette fois-ci démocrate, Clinton, le libéral Clinton dans le sens américain du terme, c'est-à-dire
je ne vais pas oser dire progressiste, mais libéral, hein, pas conservateur. On adopte la loi Helms-Burton, qui accroît davantage les sanctions économiques, qui est une aberration juridique, parce que elle est... J'ai oublié de dire que la loi Torricelli était extraterritoriale, c'est-à-dire qu'elle s'appliquait à tous les pays du monde. Il est un principe de base du droit international public, nous le connaissons tous, c'est la non-extraterritorialité des lois. C'est-à-dire que la loi française ne peut pas s'appliquer en Italie. La loi anglaise ne peut pas s'appliquer en Allemagne. Or, la loi Torricelli s'applique contre des entreprises françaises qui n'ont rien à voir avec les États-Unis. La loi Helms-Burton sanctionne, entre autres, de 96, sanctionne, entre autres, les investisseurs étrangers qui participeraient au développement de l'industrie touristique et autres à Cuba. Les capitaux étrangers qui investiraient dans des terres nationalisées dans les années 60 risquent d'être poursuivis devant les tribunaux des États-Unis. Là, il y a une double aberration juridique. La première, c'est que c'est une loi extraterritoriale. Elle s'applique pour des ressortissants qui ne sont pas états-uniens et qui concernent un pays qui n'est pas les États-Unis. La deuxième aberration juridique, c'est la rétroactivité de la loi. C'est-à-dire que sanctionner des faits qui sont survenus dans les années 60, c'est sanctionner de façon rétroactive, ce qui est illégal selon le droit international public. La seule rétroactivité possible, c'est lorsque ça bénéficie au parti. C'est-à-dire que si demain le ministère de l'enseignement supérieur décide d'augmenter rétroactivement mon salaire de 500 euros, ça c'est légal. Par contre, il ne peut pas le diminuer de 500 euros à partir de septembre 2020, c'est illégal. Une loi ne peut pas être rétroactive. Là, quel est l'objectif ? Cuba qui cherche à développer un secteur stratégique de son économie, le tourisme, se voit empêché par ce genre d'obstacle. En 2000, Bush arrive au pouvoir dans des conditions assez controversées, malgré le fait que son adversaire Al Gore ait obtenu plus de voix, la Cour suprême décide que Bush est le nouveau président, et il adopte des nouvelles sanctions. En 2004, il adopte un fameux plan connu, le plan pour une Cuba libre, dans lequel il adopte toute une série de mesures, toute une série de sanctions qui affectent principalement les Cubains. La mesure la plus emblématique qui a été en vigueur de 2004 à 2009 a été celle qui limitait le nombre de voyages des Cubains des États-Unis vers leur pays d'origine. On limitait ces voyages à 14 jours tous les 3 ans, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire 2 semaines, les Cubains des États-Unis pouvaient se rendre dans leur pays d'origine. 2 semaines tous les 3 ans, dans le meilleur des cas, à condition d'avoir un membre direct de la famille dans l'île. Avec une nouvelle définition de la famille, qui concernait que les Cubains. Ne faisaient partie de la famille que les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, mari, épouse et les enfants. C'est-à-dire qu'un Cubain des États-Unis qui n'avait qu'une tante à La Havane ne pouvait plus jamais retourner dans son pays d'origine. De la même manière, on limitait l'envoi, les transferts d'argent vers Cuba à 100 dollars par mois et uniquement à un membre direct de la famille. Donc cela a eu un impact extrêmement important pour l'économie cubaine, puisque la deuxième source de revenu du pays, ce sont les transferts d'argent. Pour quelle raison Bush avait-il adopté ces mesures, qui ont été en partie reprises par Trump ? On en dira un mot. La première est d'ordre économique, puisque, étant donné que les transferts d'argent constituent la deuxième source de revenu du pays, cela a eu un impact conséquent. La deuxième est d'ordre politique. Vous savez que tous les Cubains qui vivent aux États-Unis sont considérés par les États-Unis comme étant des exilés politiques.
et non pas des émigrés économiques, comme le peuvent peut-être les Haïtiens, les Mexicains, ou n'importe... ou les émigrés de n'importe quel autre pays. Or, il y avait une contradiction. En 2004, la minorité des États-Unis qui se rendait le plus souvent dans son pays d'origine était les Cubains. On imagine mal un exilé politique chilien se rendre 3 fois par an dans son pays sous Pinochet. On imagine mal un exilé politique espagnol se rendre réfugié en France, se rendre 3 fois par an, 2 fois par an, 1 fois par an en Espagne sous Franco. Or, les Cubains des États-Unis se rendaient plusieurs fois par an dans leur pays d'origine, ce qui illustrait la réalité suivante, c'est que l'immense majorité de la communauté cubaine des États-Unis est constituée d'émigrés économiques qui aspirent à avoir des relations normales et apaisées avec leur pays d'origine. En 2006, Bush adopte de nouvelles sanctions et il applique notamment de façon plus aiguë le caractère extraterritorial de ces sanctions en s'en prenant aux entreprises étrangères. Un exemple, si BMW souhaite vendre ses voitures aux États-Unis, BMW doit démontrer que ces voitures ne contiennent pas un seul gramme de nickel cubain. Cuba ne peut pas vendre son nickel aux États-Unis, mais dans ce cas précis, elle ne pourra pas le vendre à l'Allemagne, parce que BMW va dire, je suis désolé, moi, mon marché principal après l'Allemagne, ce sont les États-Unis. Elle ne pourra sans doute pas le vendre à la Corée du Sud, au Japon, etc. Et c'est valable pour n'importe quel produit. Application extraterritoriale de ces sanctions. Ensuite, vient l'administration Obama qui... Alors, il y a 2 moments dans l'administration Obama. Il y a la première administration, donc 2008-2012, et puis ensuite la deuxième. Lors de la première administration, d'un point de vue rhétorique, Obama adopte un discours plus conciliant. Il élimine les sanctions de 2004. Néanmoins, aucun autre gouvernement des États-Unis n'a sanctionné davantage les entreprises étrangères ayant des relations commerciales ou financières avec Cuba qu'Obama. La BNP Paribas s'est vue infliger une amende de 7,9 milliards de dollars pour avoir, entre autres, avoir eu des transactions financières avec Cuba. BNP Paribas n'a pas violé le droit français, n'a pas violé le droit européen et n'a pas violé le droit international. Cependant, elle s'est vue infliger cette amende. Crédit Agricole s'est vue infliger une amende de près de 700 millions de dollars pour les mêmes raisons. En 2014, le président Obama, qui s'est rendu compte que la politique des États-Unis basée sur la menace, la contrainte était un échec, qu'au lieu d'isoler Cuba, elle avait isolé les États-Unis, décide d'adopter un changement d'ordre tactique. Je ne qualifierai pas le rapprochement avec Cuba de rapprochement stratégique. Il s'est dit que, étant donné qu'y compris les meilleurs alliés des États-Unis en 2013 lors du sommet des Amériques, la Colombie du président Santos avait déclaré que le prochain sommet des Amériques ne pourrait pas se tenir si Cuba en était de nouveau exclu, en 2014, il a décidé d'accepter la main tendue des Cubains depuis 1959, parce qu'il est une réalité qu'il convient de rappeler, les Cubains ont exprimé dès les premiers jours de 1959 leur volonté d'entretenir des relations amicales et cordiales avec les États-Unis à partir du moment où l'on respectait 3 principes. Le premier, c'est la souveraineté, l'égalité souveraine entre les États. Le deuxième, c'est la réciprocité. Et le troisième, c'est la non-ingérence dans les affaires internes. C'est-à-dire que le système politique et le modèle socio-économique de Cuba sont des compétences exclusives du peuple souverain de Cuba. Donc,
l'hostilité, le conflit entre Cuba et les États-Unis est un conflit asymétrique, est un conflit unilatéral. L'hostilité est unilatérale. Ce sont les États-Unis qui imposent des sanctions à Cuba. Ce sont les États-Unis qui occupent une partie du territoire souverain de Cuba. Ce sont les États-Unis qui ont mis en place des politiques publiques de changement de régime à Cuba, avec un budget alloué à une opposition à Cuba. Donc le président Obama s'est rendu compte qu'il était temps d'opter pour un rapprochement tactique. Son calcul était le suivant. En se rapprochant de Cuba, en développant les contacts, on arriverait à obtenir ce que l'on n'a pas obtenu par la contrainte, c'est-à-dire ramener Cuba dans le giron des États-Unis. Je ne crois pas que le président Obama ait accepté la réalité d'une Cuba souveraine et indépendante, qu'il ait accepté de respecter les principes fondamentaux du droit international, à savoir que Cuba a le droit d'adopter le système politique qui lui chante et le modèle socio-économique qui lui plaira. Non, il s'est dit que la politique de sanctions n'a pas fonctionné, optons pour ce rapprochement. Qui d'ailleurs, je dois reconnaître une chose, aucun président des États-Unis n'a fait autant que le président Obama dans le rapprochement, dans la recherche plutôt d'un modus vivendi avec Cuba. En revanche, le président Obama a fait beaucoup moins que ce qu'il aurait pu faire en tant que chef du pouvoir exécutif. Il a par exemple appelé le Congrès à lever les sanctions économiques. Il a appelé, lors du vote annuel aux Nations Unies, les États-Unis, pour la première et unique fois de l'histoire, se sont abstenus de la... Vous savez que depuis 1992, il y a une résolution présentée par Cuba aux Nations Unies demandant la levée des sanctions économiques. Les États-Unis ont toujours voté contre, avec 2-3 pays. En 2015, si ma mémoire est bonne, les États-Unis se sont abstenus. Mais là, il m'est impossible de ne pas souligner une contradiction entre le discours du président Obama qui appelait le Congrès à lever les sanctions et ses agissements en tant que président du pouvoir exécutif. Pourquoi ? Le président des États-Unis dispose des prérogatives nécessaires pour démanteler 90% au moins des sanctions économiques. Il n'y a que 3 ou 4 secteurs que le président des États-Unis ne peut pas toucher sans l'accord du Congrès. Par exemple, le président des États-Unis ne peut pas permettre le tourisme ordinaire à Cuba. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les citoyens des États-Unis ne peuvent pas se rendre dans l'île en tant que touristes ordinaires. En revanche, il peut faire ce qu'il avait commencé à faire, c'est-à-dire ouvrir des catégories spécifiques. Tourisme culturel, tourisme professionnel, scientifique, académique. Obama aurait parfaitement pu dire « Le citoyen des États-Unis qui se rend à Cuba et qui visite un musée pourra solliciter un visa de tourisme culturel. » En faisant ça, il contourne l'obstacle imposé par le Congrès. Deuxième aspect, le président des États-Unis ne peut pas permettre que Cuba achète des produits auprès de filiales des États-Unis installées à l'étranger. C'est-à-dire, par exemple, que Cuba ne peut pas acheter des voitures Ford dans une filiale installée au Panama. Seul le Congrès peut l'autoriser. Par contre, le président des États-Unis peut permettre à Cuba d'acheter des voitures Ford directement en Floride. Est-ce que vous croyez que si les Cubains peuvent acheter des Ford en Floride, ils auront besoin d'aller au Panama ? Le troisième obstacle, les Cubains ne peuvent pas acheter des produits alimentaires à crédit aux États-Unis. Ils sont obligés de payer comptant. Seul le Congrès des États-Unis peut lever cette restriction. En revanche, le président des États-Unis peut parfaitement autoriser les Cubains à acheter tous les autres produits non alimentaires aux États-Unis à crédit. Donc en définitive,
il n'y avait que très peu d'aspects que le président des États-Unis ne pouvait pas toucher. Et c'était des aspects accessoires, hein, marginaux. Il n'a néanmoins pas fait usage de ses prérogatives. En 2017, je vois que le temps m'est compté, en 2017, arrivée de Trump au pouvoir, alors Trump, pour reprendre l'expression de l'ancien ambassadeur des États-Unis à Cuba, Michael Parmley, alors que c'était Trump parle out of both sides of his mouth, c'est-à-dire qu'il dit une chose et son contraire, et il a décidé de revenir à une politique hostile vis-à-vis de Cuba en s'en prenant aux trois principales sources de revenus du pays. La première source de revenus de Cuba, c'est l'exportation de services médicaux et professionnels, principalement les médecins cubains qui travaillent à l'étranger. Donc, le président des États-Unis a fait pression sur les pays qui accueillaient ces médecins, notamment le Brésil, la Bolivie, l'Équateur, etc., pour miner ces accords. Donc cela a constitué une perte économique importante. De la même manière, le président Trump a limité à 1 000 $ par trimestre le transfert d'argent de la communauté cubaine des États-Unis vers l'île. Ça a eu un impact extrêmement important. Le troisième impact important, ça a concerné le tourisme. Il a notamment éliminé les possibilités qu'avait offertes le président Obama aux citoyens des États-Unis. Et il y a eu, pendant plusieurs années, hein, 2015-2016, il y a eu 500 000 de citoyens des États-Unis qui se sont rendus à Cuba. Il a également imposé des sanctions aux tankers internationaux, ceux qui transportent du pétrole à Cuba, du combustible à Cuba, ce qui a créé une grave pénurie dans l'île, avec des apagones, des coupures de courant, d'électricité, des choses qui étaient survenues dans les années 90. Le président, et je vais terminer sur Biden, est arrivé au pouvoir. Rappelons qu'il s'agissait du vice-président de Barack Obama, qui avait adopté des mesures que l'on pourrait qualifier de constructives. Il a strictement maintenu la politique du président Trump. Il n'a absolument rien changé vis-à-vis de Cuba. Il continue à... Il maintient toujours les politiques destinées à subvertir l'ordre établi en finançant une opposition interne. Les sanctions économiques sont toujours en vigueur. Et elles illustrent, en définitive, cette réalité illustre l'incapacité, je vais terminer sur ce point, des États-Unis à accepter psychologiquement la réalité d'une Cuba souveraine et indépendante. On a vu que la rhétorique brandie au fil des ans a fluctué selon les circonstances et qu'elle est dépourvue de cohérence, qu'elle ne résiste pas à l'analyse. Les seules relations possibles avec Cuba sont celles qui ont été mentionnées par le ministre des Affaires étrangères en 1959, Raúl Roa, c'est-à-dire celles basées sur l'égalité souveraine, sur la réciprocité et sur la non-ingérence dans les affaires internes. Je vais m'arrêter là et je vais vous céder la parole. Merci de votre attention.